à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui va vous parler de vos yeux et de comment maquiller vos yeux. Donc je vais vous présenter comment faire les choses assez rapidement pour tous les jours et vous pouvez l'intensifier éventuellement pour des sorties d'une manière simple avec peu de produits, c'est-à-dire qu'on va utiliser la base pour les yeux pour bien protéger votre paupière et deux couleurs de la gamme Luxury chez It Style qui sont super jolies, super nacrées. Donc dans un premier temps, à l'aide de ses doigts, on va protéger ses paupières en appliquant de la base sur l'ensemble de la paupière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans problème avec ses doigts puisque c'est une texture crémeuse mais très légère au porter et qui va favoriser une plus longue tenue de vos ombres à paupières. Donc on fait cette étape dans un premier temps. Et une fois qu'on a fait cette étape, on va pouvoir passer aux yeux. Donc vos yeux, ce que l'on fait, on commence toujours par une couleur la plus claire. Donc celle-ci, c'est la numéro 2 de la gamme Luxury chez It Style, qui est couleur champagne. Donc on imbibe un pinceau plat avec lequel on va déposer la matière sur l'ensemble de sa paupière mobile. Hop. Et on fait le deuxième œil en simultané, c'est toujours plus pratique puisque vous allez pouvoir tout simplement mieux gérer au niveau des intensités. Donc là, on a bien apporté notre point de lumière pour le coin interne de l'œil. On a unifié aussi notre paupière avec la couleur de base. Maintenant, on vient prendre un pinceau estompeur avec la couleur prune. Donc c'est la numéro 7 de la gamme Luxury aussi. On vient imbiber notre pinceau estompeur et faire des petits mouvements circulaires. Donc là, on peut voir que les couleurs sont très marquées. N'hésitez pas à reprendre votre pinceau plat avec la couleur la plus claire pour permettre d'estomper en termes d'intensité et à reprendre de la matière si vous en sentez le besoin. Donc là, moi, je le fais aujourd'hui avec des couleurs très marquées pour que vous puissiez voir au niveau des gestes ce qu'il faut réaliser et vous donner donc toutes les astuces. N'hésitez pas à bien remonter avec votre doigt quand vous voulez maquiller vos yeux pour bien rehausser vos yeux et du coup les ouvrir. Et vous avez un maquillage en une minute qui peut être parfait. Donc nos fards sont très bien pigmentés comme vous pouvez le voir. Donc les couleurs sont vraiment parfaites pour faire des maquillages, que ce soit des maquillages jour ou des maquillages soir. Donc là, je reprends de la matière pour la couleur claire pour permettre d'estomper et de réapporter ma lumière. Et le tour est joué pour votre dégradé. Si vous le souhaitez avoir, si vous souhaitez tout simplement avoir plus d'informations et savoir un petit peu mieux comment faire un dégradé sur vos yeux, comment pouvoir ajouter éventuellement différentes couleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook que vous avez en barre d'infos pour avoir une vidéo un petit peu plus complète et savoir exactement comment faire, comment s'y prendre, ce genre de choses-là. C'est avec plaisir que je vous donne tous mes conseils. Donc, je vous attends. Et j'attends vos commentaires. À bientôt !